Coucou, bonjour chers amis les balances, bienvenue à vous dans votre tirage pour les énergies d'amour, sentimental, relationnel du mois de mai 2022. Cette vidéo est valable pour les personnes qui ont l'ascendant en balance et aussi la lune en balance. N'oubliez pas d'aller voir les autres vidéos pour compléter votre horoscope mes amis. Alors durant cette vidéo, on va faire plusieurs tirages, on va utiliser plusieurs supports dans le but de vous apporter le maximum d'informations possible. Et donc si jamais vous n'allez pas vous retrouver dans un tirage, n'hésitez pas à passer au tirage suivant. Allez mes amis les balances, c'est parti pour le premier tirage avec le tarot. N'oubliez pas aussi votre horoscope général, mes chers amis les balances, c'est déjà disponible hein, pour le mois de mai sur ma chaîne. Comme ça aussi vous verrez pour l'aspect financier, matériel, professionnel, familial aussi, voilà. Allez les balances. Les balances, vous êtes fixés sur quelque chose là en fait. Vous êtes fixés sur peut-être un domaine de vie, sur quelqu'un, sur une idée, un projet. Donc là, en fait, c'est comme si il y a quelque chose là qui préoccupe votre pensée, votre temps pour le moment. Ça peut être vous-même. Hein. Ça peut être ici, on me montre des balances célibataires, mais qui pour le moment se concentrent sur eux, tout simplement. Donc vous êtes en train de travailler sur vous. Peut-être aussi vous aimeriez bien évoluer dans l'aspect financier, dans l'aspect de la carrière, vie active, vie professionnelle, peut-être dans le social d'une manière générale. Ça peut être aussi amical également. Pour certains balances, je vous vois vouloir vraiment voyager. J'ai un besoin d'évasion ici pour vous, pour certains d'entre vous. De toute façon, vous avez besoin de nouveautés, vous avez besoin de changer un peu quelque chose dans votre entourage, dans votre environnement. Ouais. Je vois aussi que certains balances, vous avez marre vraiment d'attendre. Vous avez marre aussi de, en fait, de ne rien faire, à moins que vraiment vous avez marre de la routine. Vous voyez vraiment les mêmes façons de voir les choses, les mêmes façons de faire, les mêmes personnes, le même environnement, entourage. Et je pense que ça vous met un peu dans un état de, peut-être des fois je dirais de conflit intérieur. Vous cherchez quelque chose de particulier. De toute façon, vous cherchez quelque chose de différent de ce que vous avez en ce moment dans votre vie. Ça me parle bien d'aventure, de passion, de voyage, de... Peut-être il y a le désir aussi de se mettre ensemble avec quelqu'un qui a des origines étrangères, hein, possiblement. Là, on a l'amour déjà. Ça me fait, vous voyez votre tirage, ça me fait rappeler vraiment le scénario typique. C'est que au moment là où l'amour frappe à votre porte, au moment là où vous attendiez le moins. Au moment là où vous l'attendiez le moins. Vraiment, c'est exactement ce que je vois dans votre tirage. Donc vous êtes occupé, vous faites vous-même, vous occupez de vous-même, pardon. Vous faites vos projets, vous mettez des choses en place dans votre vie. Vous occupez de votre carrière, vous occupez de votre vie financière, peut-être familiale, je ne sais pas moi. Et au moment là où vous l'attendez le moins, voilà, il y a quelqu'un qui frappe à votre porte. Il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie. C'est vraiment le scénario typique, quoi. Et ça aussi, c'est que finalement, c'est quoi? Parce que vous êtes dans le lâcher-prise, entre guillemets, parce que vous n'êtes pas fixé sur les rencontres, en fait. C'est comme si, en fait, vous êtes en train de faire vos choses de votre côté et en même temps... c'est comme si en fait vous êtes sûr que finalement la bonne personne arrivera dans votre vie. Et donc, bam, voilà, c'est ça la personne, elle est là, la rencontre. On a une reine de coupe, hein. Non, c'est pas n'importe qui, donc une personne amoureuse. Aïe, 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 regardez-moi ça, waouh, votre tirage là. Le roi et la reine, et ben voilà, c'est le couple, c'est la rencontre. Et regardez encore, c'est comme si en fait ça c'est pas assez. Regardez ce qu'on vous donne. Le soleil qui parle de bonheur, d'amour avec un grand A, qui parle de la joie, qui parle vraiment de tout ce que vous désirez dans la vie, les rêves qui se concrétisent, la bonne rencontre, la bonne personne, hein, le changement que vous attendiez, hein, vraiment l'événement, la personne,
Ah, c'est exactement ce que vous attendez. Ben, je vous ai dit, mais je l'ai senti dès le début de votre tirage. C'est inconsciemment, vous êtes en train de manifester et d'attirer quelque chose de très positif dans votre vie. Et justement, en pratiquant le lâcher-prise. Je ne sais pas si vous êtes conscient ou consciente de ça, mais de toute façon, ce que vous faites, ça fonctionne. Vous voyez, j'ai plus rien à dire. Hein. De toute façon, ce que vous faites, ça fonctionne, là. D'accord ? Donc, honnêtement, pour moi... Alors, peut-être déjà, les balances, vous allez faire une rencontre lors d'un déplacement, peut-être, hein, lors d'un voyage, lors d'un déplacement, où j'ai aussi les conditions de travail qui sont là. On peut parler aussi de rencontre de travail. Peut-être vous changez de travail, du coup, vous rencontrez quelqu'un, c'est possible. Là, je kiffe, honnêtement, je kiffe ce tirage. Je kiffe ce tirage. Je vais voir pour le reste hein, de vos tirages, mais honnêtement, c'est... Voilà, c'est impeccable, quoi. C'est... mais vraiment, j'ai plus rien à dire, quoi. Donc... vous manifestez quelque chose de très beau, là, honnêtement. Mais je dis, je dis vous manifestez, mais moi, je ne suis même pas sûre que vous faites ça consciemment, vous voyez. Et c'est ça, peut-être, le plus beau dans votre tirage. Allez, c'est parti pour le deuxième tirage, les balances. Un retour. Un retour, la transformation. Alors, j'utilise le Line of Love. Excusez-moi, le Spark of Love, de la même créatrice hein, que le Line of Love. Déjà, vous trouverez ce jeu-là dans son site internet iranrusttarot.com. Iranrust.com, excusez-moi. Alors, on a le bonheur. Bah tiens, les balances. Là, ça fait trop. Les amis, il parle aussi peut-être de fidélité, hein, de compagnon dans certains cas. Alors, bon, écoutez, j'ai un choix aussi, hein, le choix de couper, le choix de changer quelque chose. Bon, là, j'ai minimum de scénarios possibles. Le premier scénario, c'est qu'on a un retour qui va se bien, qui va se faire convenablement, moi je dirais, parce qu'il y a quelque chose de toute façon qui a changé, d'accord ? Et ce retour-là, pour moi, ça va aboutir au bonheur. Ça va vous permettre aussi de retrouver quelque chose de positif. On peut parler tout simplement un trait de sincérité, de joie, d'accord, d'énergie positive, énergie fluide entre vous et cette personne. Après, peut-être la séparation, justement, et les blocages. Mais aussi, j'ai autre chose là. Le deuxième scénario que je vois que ça peut être possible également, je vois certaines personnes qui reviennent, mais peut-être qui choisissent de rester amis, tout simplement. Par contre, je ne pense pas que c'est un mauvais choix parce que je vous vois joyeux et heureux de ce choix-là. Peut-être finalement, vous allez vous réconcilier, que vous allez vous rendre compte que, bon, on n'est pas fait pour être amoureux l'un de l'autre, on n'est pas fait pour être un couple, mais on peut former une bonne amitié. On peut être vraiment amis et avoir une bonne connexion, d'accord ? Ça peut être aussi le cas là où la relation elle a démarré en tant qu'amitié. Et donc là, peut-être que vous avez essayé d'être, vous voyez, un couple, mais ça n'a pas marché. Et donc là, vous allez dire, bon, moi, j'ai pas envie de perdre la personne en face de moi, c'est un ami, c'est une amie. Et donc peut-être que vous allez décider tous les deux amicalement, d'une manière aimable aussi, parce qu'avec le bonheur, c'est que, vous voyez, c'est qu'on est content du résultat final. Et donc là, on décide de rester amis, d'accord ? On décide vraiment de maintenir un lien différent, hein, de le lien de couple, le lien relationnel, sentimental. Mais j'ai vraiment l'idée d'un retour, d'une réconciliation aussi, hein. Mais une réconciliation avec un changement de quelque chose, en fait. C'est que peut-être d'ailleurs il y a quelqu'un qui a changé finalement. Ça peut être vous, ça peut être cette personne. Une personne qui a fait le choix de changer quelque chose dans sa vie. Allez, les balances. Votre évolution sentimentale sur le mois de mai. Waouh, j'ai encore le couple. Waouh,
J'ai encore le couple, la vie commune, j'ai l'idée d'enfant, de bébé. Alors peut-être certains balancent, vous désirez former une famille ou agrandir votre famille, ou tout simplement vous retrouver avec un partenaire qui a des enfants aussi. Hein. Peut-être que vous acceptez, vous accueillez quelqu'un qui n'est pas votre fille, n'est pas votre fils, mais par contre, vous accueillez cette personne dans votre vie comme si c'est le vôtre, d'accord ? Parce que ça vient de la personne que vous aimez de toute façon. J'ai quelque chose, j'ai vraiment quelque chose par rapport à une histoire qui s'est passée. Waouh! Alors attendez, je dois ramasser les cartes, hein, excusez-moi. Alors je disais ici que je vois une leçon par rapport à quelque chose qu'on a vécu, mais ça remonte à des années. C'est pas nouveau en fait. Une expérience qui date depuis des années. Ça peut être avec la même personne, ça peut être avec quelqu'un d'autre. Voilà les deux cartes qui ont sauté. Pour moi, c'est la stratégie, la personne réfléchie et le conflit. Je vois par rapport à quoi, là. Est-ce que vous allez devoir choisir éventuellement? Parce que là, j'ai quelqu'un. J'ai vraiment quelqu'un. J'ai un lien, j'ai une personne. Et j'ai aussi une compatibilité entre vous et quelqu'un. Mais de l'autre côté, j'ai un passé affectif. J'ai une leçon à apprendre. Et c'est comme si une personne qui évite de faire l'erreur de foi, d'accord ? Ça peut être vous, hein, ça peut être aussi votre autre, du coup. Je vais demander pourquoi on a ces cartes. La séparation. Donc là, le conflit, la séparation, c'est qu'il y a quelque chose, là. J'ai pas l'impression que c'est avec cette même personne, moi. Hein. Je pense que ça remonte à une expérience particulière dans votre vie. Alors, est-ce que c'est en rapport avec l'enfance? Est-ce que c'est pas en rapport aussi avec le lien que vous avez pu avoir avec votre mère, par exemple, avec une figure maternelle, une figure paternelle? Et peut-être une blessure, ça peut être la blessure de l'abandon, du coup, ça peut être ça. Et donc, aujourd'hui, peut-être que, à travers ce que vous vivez, ou peut-être parce que vous devenez une maman, vous devenez un papa, et donc là, vous n'avez pas envie de faire vivre à votre... ou comment je pourrais vous l'expliquer? C'est comme ça, en fait, vous essayez de tout faire pour que votre enfant, ou votre fille, ou votre futur enfant, votre future fille, ne vit pas la même chose que vous avez vécue quand vous étiez enfant, justement, de votre part. De votre côté. Je sais pas si... en fait, on me montre une image particulière et je sais pas si je trouve les bons mots pour l'expliquer, en fait. Je vais voir est-ce qu'on peut me donner encore plus de détails. C'est parce que c'est très précis, hein, comme image. Et... Est-ce que... Parce que là, peut-être que vous êtes né dans une famille dysfonctionnelle. Est-ce que vous avez vécu vraiment quelque chose qui vous a traumatisé un peu quand vous étiez enfant? Et c'était par rapport à la relation entre votre père et votre mère, par exemple. Et c'est peut-être ça, ça a créé une blessure chez vous. Et cette blessure, ça a justement influencé beaucoup vos relations aujourd'hui. Et je vois peut-être quelqu'un est en train de travailler sur ça. Oui, regardez, là j'ai la transformation et là, j'ai la renaissance. Je pense qu'il y a quelque chose là de votre passé qui vous impacte directement et impacte justement comment vous vous liez dans les relations, comment vous vous projetez dans les relations. Même si vous êtes en couple hein, aujourd'hui, c'est pas forcément vous êtes célibataire. Hein. Mais j'ai une connexion entre un vécu, entre un passé et peut-être au moment là où vous-même vous étiez enfant, vous voyez ? Ou peut-être à l'adolescence aussi, et ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Et c'est comme si là, il y a quelque chose à comprendre. Il y a vraiment quelque chose à comprendre, une leçon à tirer. Hein. Ouais. Il y a eu une relation dysfonctionnelle, une relation vraiment... qui n'a pas, je pense pas que c'est vous là, je pense que ça représente peut-être vos parents ou ça représente à la limite peut-être un lien dans lequel vous étiez au bout d'un moment dans votre vie, peut-être votre ancien partenaire, voyez. Et c'est comme si là aujourd'hui vous voulez vous assurer que tout ce que vous faites, tout ce que vous êtes en train de préparer pour l'avenir, ça n'a rien à voir avec votre passé. Et de toute façon, vous n'allez plus revivre la même situation
ou refaire les mêmes erreurs. Vous voyez ? C'est comme si vous cherchiez une assurance, finalement. Que les choses, depuis là, ça va être complètement différent pour vous. De toute façon, moi, je pense... Regardez, hein. Il y a quelque chose dans votre passé qui vous hante. Hein. On voit bien, d'accord, vous voyez les illustrations dans la carte. Une personne qui fuit des fantômes du passé. Ben, il y a quelque chose que vous vivez ou que vous avez vécu, mais vraiment qui vous hante et que, justement, vous ne voulez pas vivre ça ou revivre ça, ou voire même vous rappeler de ça, en fait. Ça peut être par rapport à quelqu'un, par rapport à un événement, par rapport à un passé, comme je viens de vous dire. Mais moi, de toute façon, je pense pas que vous allez revivre la situation. Ou... Je pense pas, parce que, regardez, parce que déjà, en fait, vous êtes en train de vous transformer. Vous êtes en train, justement, de couper le lien avec ce passé-là, en fait. D'accord ? Vous êtes en train d'évoluer, de passer à autre chose. Donc, par conséquent, le passé, c'est le passé. Aujourd'hui, vous êtes ouvert à quelque chose d'autre, à quelque chose de nouveau. De toute façon, ce qui vous attend, c'est quelque chose de nouveau. Et ça n'a rien à voir avec votre passé, là. Vous voyez ? Et c'est peut-être, en fait, ce que vous cherchez un signe de l'univers, vraiment un événement ou quelque chose ou quelqu'un qui peut vous rassurer, qui peut vous dire que ne vous inquiétez pas, ça va pas se répéter. D'accord ? Mes balances, ascendant balance, le nom balance pour le mois de mai 2022. Trévolution sentimentale, mes amis, les balances. C'est très intéressant qu'on me coupe. Alors là, je vois vraiment une vérité qui est difficile à décrocher ou qui est difficile à mettre en lumière. Je vois aussi que peut-être on est victime de quelqu'un, parce que là j'ai la manipulation, j'ai le mensonge avec cette carte, et c'est comme si là j'ai une forme de piège, en fait, d'accord. Alors, est-ce que peut-être certains balances, vous êtes tombé dans le piège de quelqu'un, c'est possible aussi, hein. Mais j'ai l'impression qu'également il y a une situation qui pose un défi aujourd'hui, qui pose un problème entre guillemets, et ça, c'était dû à un mensonge, c'était dû à quelqu'un qui n'a pas été honnête, qui n'a pas été sincère. Peut-être on est tellement plongé dans les mensonges que c'est très 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 difficile de comprendre la vérité aujourd'hui. Je sais pas pourquoi on me parle de ça, d'ailleurs. Ça peut aussi me parler de quelqu'un qui se protège tellement que cette personne, vue de loin, elle semble être insaisissable, tout court. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un en face de vous. Allez, on va voir. Excusez-moi. Allez, mes balances. J'ai encore le masque qui tombe là. En fait, ce que je vois ici, déjà sur un premier plan, ça me parle bien de l'aspect financier, pécunier. On peut être ici sur des relations, mes balances, qui ne sont pas basées sur l'amour, qui ne sont pas basées sur la sincérité, la pureté, l'honnêteté, mais plutôt sont basées sur l'argent, l'intérêt. Donc attention, parce que vous pouvez être avec quelqu'un qui profite de vous en ce moment, et que cette personne n'est pas là parce qu'elle vous aime, elle est là parce que vous êtes riche, parce que vous êtes bien dans vos baskets, parce que vous avez un statut social particulier, parce que vous avez une maison, vous avez une voiture, vous avez, je ne sais pas moi, vous voyez, il y a quelque chose là de matériel peut-être chez vous qui représente un trophée chez l'autre personne, d'accord. Mais là, regardez, il n'y a aucune carte qui me parle du sentimental, amour, relationnel, aucune. Et donc là, ça me parle bien de quelque chose qui se base sur les mensonges, la superficialité, l'argent d'une manière générale. Et donc là, vraiment, c'est comme si les cartes, elles vous mettent en garde, mes amis, les balances. Elles vous disent attention, attention à qui vous laissez rentrer dans votre vie, attention aussi peut-être vraiment aux personnes avec qui vous êtes en ce moment, d'accord. Parce que là, il y a quelqu'un qui cache aussi bien son jeu, hein. Le masque, c'est le masque, effectivement, c'est le double face aussi, hein.
Donc vraiment, vigilance. Moi, je dirais tout simplement vigilance par rapport à... Certainement, si vous avez des doutes, donc peut-être justement, il faut entendre ces doutes-là. Il faut faire attention à ces doutes. Parce que je pense s'il n'y avait rien, peut-être l'univers, il n'essayera pas justement de vous envoyer ces messages, hein, de vous pousser aussi à douter, hein, déjà. Je pense que vous le savez déjà, hein. Pour les personnes qui sont impactées par ce tirage, je pense que vous savez déjà de quoi il s'agit ou de qui il s'agit. C'est pas une surprise, en fait. Allez, les messages avec les anges, l'oracle des anges. La première carte, on vous dit, que désirez-vous ? Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre cœur. Lorsque vous avez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure par rapport au premier tirage ? C'est exactement ça finalement. Ça tourne autour de vos désirs. Ça tourne autour de quelque chose que vous désirez au plus profond de vous et sur lequel vous travaillez. Et moi, j'ai l'impression au moment là où vous l'attendiez le moins, ça va se concrétiser, ça va se manifester. Voilà. Voilà le message tout simplement de cette carte. La deuxième carte. On vous dit travail énergétique. La vie peut dynamiser, parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Donc ici, ça parle bien du besoin d'un travail énergétique. Peut-être certains balancent, vous avez besoin de faire un petit travail chez vous. Un travail énergétique, de purifier vos énergies. Peut-être aussi d'avoir un rendez-vous avec une personne spécialiste qui peut vous aider dans ce sens. Mais de toute façon, il y a des énergies négatives à dégager de votre vie, mes balances. D'accord ? Ça peut vous aider, hein, tout simplement. Ça peut aussi vous apaiser, vous calmer. Si jamais vous sentez que vous êtes un peu dans une période dans laquelle vous sentez que peut-être vous êtes partout. Parce que ces cartes-là aussi me parlent bien du fait qu'on est dispersé. Hein, on a l'impression que vraiment, des fois, on n'a pas d'énergie. D'accord ? Voilà ce que j'ai pour vous. Mes amis les balances, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça me fera plaisir. Et de commenter aussi, ça me fera également plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne. Sinon, moi, je vous dis, passez un bon mois et je vous retrouve prochainement. Au revoir.